Bonjour Internet, bonjour à tous, ici Kazamania, bienvenue sur YouTube en vidéo les amis sur Maple Story 2 sur le mode Mush King Royal avec Inotna. Donc Maple Story 2, MMORPG gratuit, sortira le 10 octobre. Vous pouvez déjà y jouer, c'est-à-dire télécharger le client, créer votre personnage et réserver votre pseudo, et vous aurez accès au mode Mush King Royal pré-saison, qui est un mode Battle Royale donc sur Maple Story 2 qui permet de patienter jusqu'à la sortie officielle du titre. Donc c'est ce qu'on va essayer de se lancer avec Inotna. Vous allez voir, c'est un petit peu compliqué, notamment parce que les matchmaking sont un petit peu mal branlés, mais bon, on aura le temps de discuter un petit peu du jeu, de voir un petit peu nos premières impressions, et on participera à une partie du coup en solo queue sur le mode Mush King Royal. Donc Maple Story 2, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Bon visionnage à tous. Et bonjour mon cher Eno, comment vas-tu l'ami? Bah écoute, ça va bien mon cher Kaz. Je vois qu'on a enfin changé notre habit de chasseur de monstres. De vivernes et autres dragons. De rien à voir. Ouais. Pour un jeu encore plus badass. Ah bah c'est tellement badass. Et ce kawaii comme ça, comme on disait, ça nous fait un peu rappeler nos années à bout. Abo Hotel et Club Pingouin. Mais oui. Ah là là. Hello Kitty Online. Donc là, pour la petite histoire, c'est Maple Story 2, donc le mode Mush King Royal, l'espèce de Battle Royale qui permet de jouer un petit peu en attendant la sortie officielle du titre, prévue le 10 octobre 2018 sur PC. C'est cela. Oui, monsieur. MMORPG free to play. Vous pouvez, si vous avez du fric à claquer, acheter des packs fondateurs pour avoir un accès anticipé à partir du 1er octobre. Il va y avoir des espèces de bonus à la con. Comme tout bon MMORPG gratuit, hein, un titre à la con, une monture et tout ce merdier. Exactement. Et pour info, moi j'ai jamais joué au 1. Moi non plus. Je sais qu'il y a eu le 1. Il était en 2D d'ailleurs, ce qui n'a... Ça a bien changé. D'après ce que j'ai compris, comme je me suis un peu renseigné. Sinon, rien de spécial. On verra bien ce que ça donne. Il y a différentes classes. Mais j'ai un manque, Babar d'XP ne monte pas non plus. Je sais pas trop comment ça se passait à ce niveau-là. Donc, alors, voilà. Ce que ça donne, là, on est vraiment dans le mode Battle Royale, donc pré-saison avant lancement. Je vais vous montrer un petit peu la fenêtre. C'est comme ça que ça se passe. On a groupé avec deux autres Gugus en mode pick-up. On essaye de se lancer un mode squad équipe. On peut faire soit le Battle Royale. Ça y est, il y en a qui est barré. Il y en a qui est barré. Bah voilà, on est plus que trois. Voilà, ah, pas grave. Hop là. On peut soit partir en mode squad, donc jusqu'à 4 joueurs en BR, ou soit en mode solo queue, hein, comme disent les English. Solo queue. Pour cette histoire, j'ai réussi à lancer juste deux fois, moi, personnellement, le mode solo queue. Voilà. Donc, vous gagnez des LXP suivant votre place et votre classement durant le Battle Royale. Vous allez débloquer des bonus à la con. Mais surtout, vous allez avoir un classement et des récompenses notamment, comment dire, cosmétiques que vous pourrez garder lors de la sortie officielle du titre. Donc, vous pourrez débloquer, je sais pas, une casquette, un slip, voilà. Ça peut être intéressant. Il y a même un autre truc. Donc, le jeu est payant normalement. Enfin, il est pas vraiment payant, mais il y a des packs, ce qu'ils appellent les packs légendaires et autres, Master, Explorer. Et d'après ce que j'ai compris. En fait, en fonction de ton classement, donc sur le Mush King Royal avant que le jeu sorte, si tu fais par contre partie des 10 premiers, tu gagnes le pack légendaire, donc en fait, tu n'auras pas besoin de le payer. Jusqu'à du 11 à 50, tu as le Master Package, et du 51 place à la 200e place, tu as le pack Explorer, donc le moins cher. C'est ça, tout donc, à tu fait. Donc tu peux remporter le jeu. Donc voilà, il y a des mecs qui tryhardent, là, jusqu'à la sortie officielle, on peut regarder un petit peu les rankings en solo. Par exemple, ça, le premier à jouer. PC Chan, grand champion, score à 4300, et voilà, il y a différents tiers, différents classements, différents grades. C'est assez intéressant. Mais pour ça, effectivement, comme dit Notna, il faut réussir à jouer, et c'est assez compliqué. On a du mal à taguer, pourtant il y a du monde, j'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est un... Je sais pas, c'est... Moi, j'ai réussi qu'une seule fois à taguer. Et tu n'as rien compris à la game. Je n'ai rien compris, exactement, je suis arrivé, il y avait des sortes de bombes partout, ça voulait me bouffer le cul, c'est tout ce que je veux, mais je n'ai pas compris. d'ailleurs, je ne sais plus si tu en as déjà parlé, mon cher Kaz, mais tu as aussi un peu le système de Royal Pass. Oui, que tu peux retrouver dans tous les bons, tous les Battle Royale du monde. Fortnite a mis ça en place, et maintenant, ils commencent à le mettre un peu partout, même dans Rocket League, pour te dire, alors comme quoi, mais où va le monde? Où va le monde, voilà, quand on regarde un petit peu la fenêtre Mush King Royale, effectivement, on a un espèce de grade, 1, 2, 3, 4, donc à chaque niveau, vous avez des récompenses, et soit vous êtes en mode free-to-play, clodo, et vous gagnez 10 feux d'artifice au niveau 2, et puis... Un vieux jean délavé au niveau 6 par exemple, alors que si vous avez votre pass, season pass, royal machin truc,
que vous payez avec du vrai fric, hein, je rappelle, vous, à chaque niveau, vous avez des bonus. Donc ça, je pense que vous connaissez tous, vous êtes nombreux à jouer à Fortnite, par exemple. Effectivement, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup maintenant dans les Battle Royale, notamment, gratuit. La mode. Exactement. Sinon, bah, rien de spécial. Parce que je disais tout à l'heure, c'est que normalement, ton personnage, je pense que tu peux le récupérer après dans le jeu. Donc, oui, tout à fait. Alors le mais tu as différentes barres de level d'ailleurs. Tu as une barre de level donc, dans le Mushking Royale où ton level il augmente, mais par contre, le level de ton personnage n'a pas l'air de non, changer. Non, il bouge pas du tout. Alors, effectivement, l'intérêt, le grand intérêt, on va dire, de ce Mushking Royale, c'est se mettre un petit peu le jeu dans les mains, mais c'est surtout que vous avez la possibilité de créer dès maintenant votre perso. Donc, vous réservez votre perso, votre pseudo, qui servira dans le vrai MMO quand il sortira le 10 octobre. Donc, voilà. Donc il gagne pas d'XP, il n'y a pas d'avance sur l'XP, c'est un perso de base, mais en attendant vous pouvez jouer au Mushking Royale et vous avez votre perso créé. Donc pour rappel, sur Maple Story 2, vous créez un perso et il me semble qu'il y a 8 classes différentes. Et moi j'ai pris un chevalier, plutôt tank, et Ino a pris un Berserker. Berserker, parce que j'aime bien les trucs un peu badass. C'est un guerrier de main, un épée de main. Donc le truc qui casse les dents. Alors on trouve, j'ai vu, il y a un mage, un espèce de heal. J'ai vu qu'il y avait un assassin et voleur, hein, deux classes qui se ressemblent, mais qui sont quand même différentes. Un archer. Et j'en oublie un, donc j'ai oublié la dénomination. Oh là là, qu'est-ce qu'on... T'es vraiment... Tu sers à rien. Merde. Toujours pareil, de toute façon. T'as commencé à bien faire. Et, ah, Wikipédia. Ah là là. Je trouve un coffre. Apple Story Wikipédia. Oh non, je trouve un coffre. Mais bien sûr que t'as des coffres. Ah, tu savais qu'il y a des coffres, toi ? Oui, je sais, c'est là que tu récupères des items pour... Mais tu sais déjà tout, toi ? Pour attaquer. Mais t'as joué sans moi. J'ai peine. T'as trahi. J'ai joué sans toi, j'ai pas arrêté. Bien que ce jeu, c'est mon jeu, quoi. J'y joue tellement. Franchement, à côté de ça, Monster Hunter World, c'est... Pour les tatas ! Je sais pas pourquoi j'y joue, d'ailleurs. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah là là, t'aimes bien faire du mauvais esprit. Ah ! Ah ! Bref, voilà, on n'arrive pas à tag, mais c'est pas grave, on se croit un petit peu dans cette bled qui s'appelle le Royal Park, donc l'espèce de hub d'attente pour le Mushking Royal. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on disait d'autre, mon cher Ino, pendant ce temps-là ? Bah écoute, rien de spécial. Si c'est jouable au niveau jouabilité, pour ceux qui se posent peut-être la question, il y a différents systèmes. Soit c'est complètement clavier, c'est-à-dire qu'on peut se balader avec les touches de direction et puis on tape avec d'autres touches. Soit c'est souris-clavier où il y a aussi un mode manette. Voilà, donc ça c'est tout simple. En haut à gauche, vous avez une espèce de petite, petite icône manette. Vous pouvez activer, désactiver la manette, c'est à votre convenance. Je trouve que le jeu, dans ses menus, etc., est assez bien foutu. On retrouve plein d'informations. Le menu social marche après, bien, y a... etc. Il y a pas mal de menus qui sont désactivés du fait qu'on soit en mode... en mode Mushking, je sais pas si t'as vu un peu, mais si t'essaies de te balader un peu, il dit oh, hop, faut que t'achètes, enfin, voilà. En gros, pour l'instant, c'est vraiment le jeu, on va dire Maple Story 2. Je pense qu'on a exactement l'interface. Le seul truc, c'est que c'est des choses qui sont désactivées par rapport au mode de jeu normal. Donc, c'est vraiment ça la différence. Faut que t'achètes. Regarde, tu cliques n'importe où là, genre pète. Oui, les pets, hop, achète The Founder Pack, tu vois que c'est Ziz. J'ai un bel anglais. Je me la pète un peu, je te l'accorde. J'ai trouvé une quête, Inotna. Ah, j'ai trouvé le cash shop. Mais j'ai trouvé une quête, moi. Tu savais qu'il y avait des quêtes ? Mec, il y a des quêtes. Mais bien sûr, j'ai toutes faites. Arrête, tu te fous de moi ? Eh ouais, mec. Non, je suis dans la game. Mais t'as vraiment tryhard en plus, mon salaud. L'autre mais non, j'ai pas tryhard, c'est que là, tu t'ennuies. Y a rien à faire, regarde, ça fait combien de temps qu'on attend ? Ouais, on s'échauffe. Mais sûr qu'on s'échauffe, bien sûr. S'échauffe, c'est pas sur quoi, mais on s'échauffe. Alors, faut bien garder à l'esprit que c'est un MMORPG dit social. C'est pas le MMO classique où tu vas enchaîner les quêtes dans un monde fantasy, quête après quête, en découvrant des villages, des villes, etc. On est plutôt sur un espèce de truc social avec. Il y a une partie PVE avec des vraies instances, des vrais boss. Il me semble qu'il y aura tout un système de craft aussi, etc. Mais t'as surtout un gros aspect social avec plein de mini-jeux à la con. Tu peux danser avec les gens, tu peux faire du bateau, tu peux aller à la piscine. Bref, t'auras plein de choses à faire. C'est à... Donc voilà. Est-ce que c'est à réserver aux plus jeunes ? Pas forcément, mais... Non, je pense pas, mais c'est pas non plus... Ah, disons que ça change. Je sais même pas à quelle tranche d'âge ça peut s'appliquer. Par exemple, on peut déjà voir des personnes qui jouent à ce jeu-là sur Twitch, pour ne pas te citer. Et souvent, c'est des Coréens, ça sent le Coréen à plein nez, quoi.
désolé, ah, c'est un peu stéréotype, mais clairement, voilà, c'est beaucoup de loot, du farming, c'est voilà, c'est du kiff pour eux, quoi. Après, est-ce que chez nous ça va bien fonctionner? Moi personnellement, j'ai pas connu beaucoup de monde qui jouait à Maple Story 1. Je sais pas s'il est sorti chez nous d'ailleurs, ce jeu-là. Maple Story 1. Si. Ouais. Bah toi, moi personnellement, je connais personne qui a joué dans mon entourage, du moins. Peut-être que vous, il y en a peut-être un ou deux qui, ça se peut, hein. À voir. Je pense que c'est pas trop dans notre délire de jeu, mais pourquoi pas. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont bien kiffer, qui se prennent pas la tête. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, c'est un peu du social. À voir. J'avais parlé à Pupu. Pupu, qui est dans une grosse tour à gauche. Tout à gauche, mais j'arrive pas à... Ah, on a perdu. On est plus que deux dans le groupe. On a tué tout le monde. D'ailleurs, on a perdu le Finding Match, voilà, c'est revenu. Ah, mais il me semble qu'on peut grimper sur les murs. Bah oui, ça je m'y fais pas, ça. On peut grimper sur les murs. Bah oui, tu sautes sur les murs, normal. Moi aussi, j'aime bien sauter sur les murs et y grimper. Spider-Man. Je fais ça tous les jours. Spider-Man. Moi, je trouve qu'il y en a qui ont des styles un peu sympa façon de parler, genre la barbichette et tout le merdier, mais je sais pas comment ils ont fait pour débloquer ça. La CB, mec, peut-être la CB. Ah, mais non, mais je suis con, mais bien sûr. De toute façon, ils ont quel des est... de ouf. Bah, ça, c'est le Founder Pack, ça. Quelle ça, est la réponse juste... à 99% des questions sur les MMO gratuits? La CB. Bon, bah, ça marche bien, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des gros. C'est con qu'on puisse pas tag. C'est con qu'on puisse pas tag facilement. Ah, tout à l'heure j'étais content, tu me dis ouais, c'est bon, j'ai réussi à tag direct. Je suis putain, ça marche. J'ai tag en solo alors. Et là tu me dis, allez Ino, viens, on va s'éclater. Allez, viens, on va se marrer, on va faire une petite vidéo sur le lobby. Il est excellent. Alors est-ce qu'on pourrait pas tester de brain le jeu en lançant tous les deux une solo queue? En solo? En voir si on pour est dans la même. À... Allez, on essaye. Eux, hein. Allez, on essaye, de toute façon, on a rien à perdre. On voit des squads. Allez, quitte. Le groupe. Voilà. Alors, tu sais comment je t'ai lancé en solo? Ouais, je sais, t'inquiète pas, je fais le jeu par cœur. À 3, c'est bon. 2, merde. 1, c'est on bon. Lance. Bon, ah, peut-être plus de chance. J'espère que je vais défoncer. Quand même, je suis simplicité, c'est parti tout seul. Ça fait bien 7-8 minutes. Tout ça pour mourir au bout de 30 secondes, comme tous les bons jeux de BR. Comme... Et puis là, on est vraiment sur un bon BR. Après une heure d'attente. Bon, pour la petite histoire, on a réussi à tag, mais en solo. Donc on est ensemble, mais je te défonce. Moi, je te vois. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Allez, tiens, prends-en ta gueule. Attends, faut que je me concentre sur les touches. Alors, comment je joue juste. Il a changé mes touches, con. Moi aussi, mais il m'a rien demandé. Hello. Oh, c'est pas cool. Alors, pour vous dire les amis, moi je ne comprends absolument rien. Là, c'est le Battle Royale, on est combien? Il vous le dira après, quand ça va commencer. Tout le monde est en train de rejoindre, la carte est plutôt grande, je trouve. Et on retrouve sur la map des mobs. Des bonus à loot. Et pas mal de petites choses sur lesquelles on peut interagir. Donc on va essayer de se la faire bien, de se la mettre bien. On va monter dans le petit machin qui va flotter là. Il va arriver, mon cher Ino. Attention. Il est où, Ino. Je le flemme. Qu'est-ce qui se passe? T'es arrivé en milieu, mon petit canard. Mais qu'est-ce qui se passe? Sinon, on peut partir ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Mais sans se taper dessus. Allez, faut grimper là-dedans. Je suis dedans. Ah oui, il est dedans. Ok, alors je suis bien dedans. On va essayer de jouer coopératif. Oh, BR. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on saute. Quoi, tu sautes? Pas tout de suite. Est-ce que on ira vers le nord? Juste tu vois la rivière? Ouais. Dès qu'on passe la rivière, on saute et on va au nord. 1, 2, 3, jump et au nord. C'est toi ça? C'est toi ça? Ah putain, beau. C'est bon, c'est pas pareil. Bon, alors nous sommes 28. Et c'est maintenant qu'il va falloir faire du loot. Je sais qu'on peut descendre du bordel. Comment? Je sais plus. Faut laisser tomber, non?
Donc on va essayer, on va éviter de se taper dessus, bien évidemment. Parce que on joue ensemble, ça va être ensemble. Alors tu peux ramasser des merdes que tu peux jeter sur la gueule des gens. Non, j'ai pas su. Regarde, c'est marrant. Excuse-moi. Laisse-toi, il fait dodo. Tu l'as énervé. Il t'a aidé. Tu as du loot. Ah, mon forêt, il pique mon loot. Bien ça, je pique ton loot. C'est quoi ces trucs? Oh là là, je comprends rien. Alors, il y a la touche R, la touche F. Je comprends rien. Attends, tape-moi pas. Alors, j'ai ramassé des bonus entre genre un spring jump. C'est ça. Wouhou! T'es où? Je t'ai perdu. Ah, t'es là. Ah merde, plus de vie. Oh non, il est où ce bordel? Oh le boulet! Mais t'as de la vie là. X, où ça? Où ça? Appuie sur X. Comme ça, X. Ah merde, je suis en. Je sais pas. Ah non, je suis avec la manette. Ça fait. Ah merde, comment tu. Ah oui, herbe, de l'herbe. Ah bien joué. Vas-y, bien prends ton herbe. Attention, attends, on le fait, mon feu. Putain, y'a un ennemi. Il sait pas qu'on est ensemble, on sait pas qu'on est ensemble. BOOM! Et non! Il est où? Oh, et le t'es mort! Oh, il t'a mis! Oh, il t'a loot! Ah, j'ai rien compris! Il va me niquer! Ah, on est trop nul! Oh merde! Ouais, on est vraiment trop nul! Et bon. Je croyais que c'était simple! Je m'en fous, j'ai passé niveau 2. Bon, ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup. 8 matchs comme Quen. Ça valait le coup d'attendre une demi-heure pour pouvoir tag. Voilà, comme on vous disait, le gros problème avec ce bon Mushking Royale, je reste en spectateur, regarde un petit peu comment les autres se débrouillent. C'est que, voilà, faut attendre une demi-heure pour faire une partie de 3 minutes, ce qui est un peu décourageant. Et le temps d'assimiler un petit peu les règles, bah tu te fais fumer. Donc en gros, la map. Non, c'est pas fait fumer. La map est plutôt grande. Et j'ai l'impression, enfin je pense que c'est même le cas, on joue pas avec. Comment dire? Avec son personnage, avec ses capacités de classe, on joue avec les bonus qu'on loot. C'est ça. On ramasse des trucs au sol, c'est des bombes, c'est des flèches de feu, c'est etc. Donc tu joues pas vraiment avec ton perso, tu vois ce que je veux dire. Tu joues avec des consommables que tu loot. Donc là, ils sont encore 23. On a pris cher. Alors, je sais pas ce que c'est, le mec, il est près d'une tour. Donc, comme vous avez pu constater, on a gagné de l'XP. Ah, moi, je suis passé rang 2. Et on gagne des mushroom coins. Coins. Donc, j'imagine que l'on peut. Que l'on peut échanger contre d'autres. Du loot. Et j'ai cru voir qu'il y a quelques. Alors, je sais pas si c'est un mushroom coin. Il faudra regarder dans le lobby. Mais t'as pas mal de petites fringues qui sont dans les 2000-3000. Donc, autant dire. Qu'on est mauvais. Qu'on n'est pas prêt de s'acheter un nouveau slip, hein. Mon poney, je suis pas prêt de l'avoir. Ton poney magique qui crache des. Bah non, mais on a pas eu de balle. Enfin, le mec, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Il était monté avec des choses bizarres. Il a fumé des trucs. Quelqu'un est en train de looter la map. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ils sont encore 23, 22. On a vraiment été nuls. Et on a fait top 30 quand même sur ton personnage. Alors. Ouais, c'est pas mal. Mais on n'a pas une monture comme ça, nous. Moi, j'ai un vieux chariot en plastique, moi, quand je lance ma monture. Nous, on fait pitié, ce qu'on n'a pas payé. Oh, j'ai une déception, j'avais piqué la carte bleue de papa. Corben. Non, Corben, mon ange. Allez, ils sont encore 19. Heureusement qu'ils sont là pour faire la game. Ouh, baston, ça y est. Ah oui, vous pouvez poser des... des espèces de blocs aussi, de briques. Ça, j'ai vu ça. Il y a pas mal de choses qui sont destructibles aussi dans le jeu. C'est vrai que moi j'oublie. On peut aussi grimper au mur, etc. C'est des réflexes que j'ai absolument pas. Donc nous sommes très mauvais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On connaît pas les trucs surtout. On connaît pas les trucs, on n'a pas. On était deux contre un, il nous a fumé. Je l'ai à peine touché. Ça, c'est de ta faute, Kaz. Ça y est, baston. T'as retagué là? Non, je suis en spectateur. Ah. Et le mec, il est en train de fumer tout le monde. Bien sûr. Écoute, si c'est lui qui finit top 1, ça me va. Ah, c'est le mec qui nous a défoncé là? Ouais. Ah, il joue bien, mais il touche shot les gens. Hein. Avec les bonus et tout qu'il loot, il balance des boules de feu,
Il crache de la morve. Il gère. Allez, c'est encore 12. Oh, j'ai pas l'impression qu'on puisse naviguer de... Tu peux spectacle juste celui que tu... qui t'a tué, je pense. Alors, est-ce que ça sera un mode qui sera... qui est juste là pour la pré-saison avant le lancement, ou ça sera permanent? Je pense que ça sera permanent, ça. Si c'est une pré-saison en plus. Puis vu la mode des Battle Royale, à mon avis, ça sera... permanent. Allez, c'est encore 11. On est sur le bon, là. C'est lui qui va gagner. De toute façon, il a une monture tuning. Il a des fringues tuning. Je suis sûr qu'il a un petit titre qui fait de la couleur. Et quand il parle, il y a des bulles qui font des paillettes. À mon avis, celui-là, c'est un vrai. Alors que vous. Alors nous, on est moche. Allez, ils sont encore 9. Ça y est, il a vu quelqu'un, Mésus. Kaz, commentateur de partie de Munch King Royal. Munch King Royal, ESL. Oh là 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 là, mais qu'il est puissant, qu'il est fort. Alors ça c'est une tactique, une stratégie de... Allez, ils sont plus que 7. Je sais même pas comment se passe une fin de partie. Ils sont plus que 6. Ah là 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 là. Et ce proche est pourtant si loin. Cette move est incroyable. Attention, combat, fight. C'est parti. Il se fait chase. Attention, il retourne. Combat. Oh, oh, oh. Et voilà, son troisième kill. Le cinquième. Ils sont plus que 5 en compétition. Bravo, Bézus. La foule est en délire. Et... cela ne nous regarde pas. 35 secondes avant. J'ai entendu dire gaz. Qu'il fréquentait la boîte de nuit de fucking Blue Boy. Blue Boy, mais cela ne nous regarde pas. Ne nous regarde pas. Allez, ils sont plus que 5. Amesus, il a fait. Il a fait 4 kills avec nous. De nous et deux autres. Et là, il part à la chasse de son 5ème kill. Oh, la belle escape de son opponent, comme on dit en français, opponent, concurrent, attention, il part, l'André, allez, le gaz est en train de se rapprocher, plus que 5 personnages, il vient de remettre toute sa vie avec ses herbes, ses potions, la zone de jeu est devenue toute petite, ils ont encore 5 en compétition, Mésus qui gratte un coffre, Mésus qui fait pop sa monture écureuil, Mésus. Mais ceux qui crachent des étincelles. Mec... je vois pas, mais ça me rend bien, franchement. Ah, le mec il fait des trucs, je comprends pas. Oh, Mésus, qui s'est fait piège. Mésus KTP, Mésus qui s'est fait fumer. C'est 8 qui est donc vainqueur de ce combat. Ils sont encore 4 dans une petite surface de terrain. 8 avec sa belle casquette bleue qui balance une boule de feu. Oh, les skins des bonhommes, sérieux. Sortez la CB, merde. Elle est encore 4. Fameuse. 8 qui part en chasse sur son chariot de transport de marchandises avec sa casquette New York. La concentration dans les yeux du gamer. Casquette Wakiki. Et sa montre flic-flac. Il a son doudou dans Casio. Son sac, son petit doudou Kiki. Encore une game ou deux et après ça sera l'heure de la sieste. Un petit capri sonne et c'est reparti. Ah, tu me pues. Allez, c'est plus de 4. C'est trop ça. Oh merde. A-t-il rembobiné sa cassette avec son crayon de bois? Ah, ils auraient dû faire
un beau hôtel, ils auraient dû balancer un mode Battle Royale avant tout le monde. Et c'est 8 voilà qui fait le kill, et il reste encore 3 personnes in-game. Arrivée des nuages dans 12 secondes. Allez, on mise tout sur 8 qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kills à son actif. 8 qui dans la vraie vie s'appelle Jean-Kevin, 7 ans. C'est mercredi, il ne travaille pas, il va pas à l'école, maman est au boulot. Papa fait la sieste. Ah ouais, tu vas te faire. Il va falloir que cette partie se termine parce qu'après c'est les minicums qui commencent. Minicum. Ah, ils sont plus que 3. Oh, j'ai monté une chaîne Twitch. Commentateur de Mushking. Bien sûr. Allez. Allez, 8 pour le combat. 8. Pour le l'avant-dernier kill, plus que 2 joueurs en lice. Quel homme ce 8. Allez, ils sont plus que 2. 8, t'es chelou. Après, ils se foutent sur la gueule. Ils sont en train de discuter, les mecs. Ils sont en canal, ils se discutent. Well then, you saw your last. Tu es là pour l'XP? Oui, ok. Donc je vais t'attendre dans le dernier cercle. Alors je crois que les mecs... You can kill me at least 10 secondes if you want. Voilà, les mecs ils sont en train de se dire attends 10 secondes. Parce que plus tu restes longtemps et plus tu gagnes de l'XP. Donc ils sont en train de se mettre d'accord, oui. Pour gagner de l'XP. C'est beau. Ouais, c'est fair play. Comme quoi... Pas besoin de jouer sur des gros jeux pour... Ah, c'est pas sur PUBG qu'on voit ça, hein. Ah, ça c'est sûr. Ni sur Fortnite. Ah, je dis ça, je dis rien. Ni sur Scum. Qu'est-ce qui marche en ce moment? C'est les... En pseudo BR ou survie zombiesque. Fortnite, PUBG, Scum. Bon, Scum. Bah, écoute, d'après ce que j'ai compris, c'est Call of Duty qui arrive, tu sais, avec son mode PUBG. Hein, son mode BR, à ce qui paraît, il est pas mal. Je sais plus qui me racontait ça. Vous avez peut-être vu un gaming live. Il va tout grappiller un peu. Sur jeuxvideo.com et ils en disaient plutôt du bien. Tu vois? Comme quoi? Bah, tu sais qu'il y a des gens qui achetaient les Call of Duty avant rien que pour le mode zombie. Hein. T'avais un espèce de mode zombie où tu. Je sais pas si tu connais. Le fameux mode zombie Call of Duty où t'es à 4, il me semble, ou à 3 ou à 4, c'est un peu petit peu comme le mode qu'on avait eu sur Rainbow Six lors d'un événement où tu survis à des vagues de zombies. Ça fait cher le mode, quoi. Cher le mode. Allez, ils sont face à face. Et qu'est-ce qu'il fait? Attention, attention, chelou, il est en train de lancer ses loots. 1v1, c'est parti. En fait, ils attendent la fin du timer, les mecs, pour gratter de l'XP. C'est pas beau, ça. Combat final. Combat final des titans. You need a trophy. To collect. Oh, les mecs, ils sont en train de s'entraider. C'est pas de petit profit, mon petit bonhomme. Ça, c'est un jeu social. Les mecs, avant de se tuer... Eh, hey, bonjour. Tu veux gagner ou tu veux que je gagne? Qu'est-ce qui te manque comme succès? Je t'échange un slip rose contre la victoire? C'est beau. Hé, ASV? Ça se dit plus, ça, ASV. Non, je crois que t'es trop vieux maintenant. Bon, moi, voilà, les amis, c'était un gameplay sur le même Mushking Royale ou c'est les autres qui ont fait le gameplay? C'était bien. C'était bien. J'ai fortement apprécié, Kaz. C'était... Non, j'ai kiffé. Donc on a mis à peu près une demi-heure pour tag, on a joué 3 minutes. Le plaisir est dans l'instant. Plaisir à l'état pur, merci Kaz. Et donc on rappelle Maple Story 2, sortie officielle le 10 octobre sur PC en mode free-to-play, MMORPG social. Vous pouvez télécharger le client dès maintenant, je mets le lien évidemment en description de la vidéo. Pour créer votre perso, réserver votre nom et vous pourrez jouer donc en mode Mushking Royale si... Le jeu veut bien de vous pour taguer ce fameux mode où, comme vous le constatez, on ne comprend rien, mais vous pourrez gagner des petits bonus. Et maintenant, à très bientôt. Ça marche, salut.